C'est un moment excitant de la saison parce que pour la première fois, vous allez analyser ce qui se passe à l'intérieur de la ruche et sur les cadres, le cœur de la colonie. Ces analyses-là, ce sont des inspections qu'on fait une fois par semaine entre le moment où on installe la ruche jusqu'à la préparation pour l'hiver. Le meilleur moment pour faire une inspection, c'est dans une journée chaude et ensoleillée, en début d'après-midi. S'il fait trop froid ou trop chaud, les abeilles sont juste un peu trop agitées. L'idéal, c'est si vous êtes confortable en t-shirt, c'est sûrement un bon moment pour faire une inspection. Personnellement, avant de commencer à faire une inspection, j'essaie de me remémorer les étapes cruciales de cette inspection pour rien oublier. Dans le cas de la première inspection du printemps, trois choses. 1. Est-ce que la reine est présente et pond des œufs? 2. Est-ce que la colonie a assez de place pour grandir à l'intérieur de la ruche? Et 3. Est-ce qu'il y a des cellules royales? C'est peut-être une bonne idée d'aller voir notre vidéo sur les cellules royales avant de commencer cette inspection-là. Vous êtes prêts à commencer? Allons-y. Toujours mettre un peu de fumée à l'entrée de la ruche. Ça calme les gardiennes et ça bloque leur communication avec le reste de la colonie. Si vous vous rappelez bien, on avait mis 5 cadres avec des abeilles d'un côté et 5 cadres vides de l'autre. C'est fort probable que les abeilles aient commencé à construire les autres cadres, mais vous voulez seulement ajouter une deuxième boîte quand 8 cadres ou plus sont construits. Dans notre cas, on a seulement 7 cadres de construits, alors on ne va rien faire. Mais si votre ruche s'est grandie un peu plus rapidement que la nôtre, allez voir notre vidéo de comment ajouter la deuxième osse. Commencez toujours avec le deuxième cadre, il est plus facile à sortir et ça évite de mettre une pression inutile sur les boîtes. Prenez la pointe du left card et vous le sortez comme ça. Une fois que vous avez posé deux cadres sur le repose-cadre, faites juste tasser les autres, ça va vous laisser assez de place pour travailler. Sur ce cadre-ci, les abeilles ont commencé à mettre du miel et du pollen. C'est beau, mais c'est toujours pas signe d'œuf. Sur lui, je vois des larves qui ont 5 jours. Ça, c'est une indication claire que la reine est présente et qu'elle pond des œufs. À ce point-ci, on a répondu à 2 de nos 3 questions. 1. Est-ce que la reine est présente et pond des œufs? Oui. 2. Est-ce que la colonie a assez de place pour grandir? Oui. Par contre, on n'a toujours pas répondu à notre troisième question. Est-ce qu'il y a des cellules royales? C'est pour ça qu'il faut continuer à passer à travers toutes les cadres pour s'en assurer. C'est toujours mieux de regarder sur le bas des cadres parce que c'est là qu'on va trouver les cellules d'essaimage qui sont importantes pour nous. Non, toujours pas ici. Le dernier cadre, sur celui-ci, je vois des jeunes œufs. Ça, c'est un signe que la reine n'est pas très loin. Oh yeah! Wow! Elle est super belle. Quand vous trouvez la reine, prenez un peu de temps pour la regarder, ça vaut vraiment la peine. Par contre, faites attention en remettant le cadre parce que vous tenez entre vos mains un peu le sort de la colonie. On est maintenant passé à travers toutes les cadres, c'est temps de les remettre. Mais avant de faire ça, on va réorganiser un peu. On va placer les cadres qui ont du miel et du pollen sur les extrémités de la hausse et celles qui ont du couvain au centre. Ça permet de garder la température du couvain plus égale. Bon, cette colonie-là se porte à merveille. La prochaine inspection qu'on fait, c'est dans une semaine. Et d'après moi, on va devoir amener une deuxième osse à miel parce que c'est le printemps. Et quand les fleurs s'exposent, les colonies explosent.